Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée à élaborer un modèle conceptuel des traitements à partir d'un exercice d'application. D'abord, faisons un rappel des concepts de base de la modélisation conceptuelle des traitements vus dans la deuxième vidéo. Vous trouverez son lien dans la partie description. Alors, dans la vidéo 2, nous avons dit que le modèle conceptuel des traitements constitue une représentation graphique des activités et du fonctionnement du système d'information. Lors de l'élaboration du modèle conceptuel des traitements, il faut répondre à la question suivante: qu'est-ce qu'on fait? Et non, qui fait l'action? Quand l'action est réalisée, où l'action est réalisée? Ces questions vont avoir leur réponse dans le niveau organisationnel. Le modèle conceptuel est basé sur un formalisme utilisant les concepts suivants: acteur, événement, résultat, état, opération, synchronisation et règle d'émission. Alors, en ce qui concerne l'acteur, pour identifier l'acteur, c'est d'identifier avec qui le système d'information fait des échanges. Donc, l'acteur à prendre en considération dans la modélisation conceptuelle des traitements est celui qui est externe et non interne au système d'information. Alors, l'événement est un flux d'informations reçu d'un acteur externe lors de l'échange entre le système d'information et son environnement. Le résultat est le flux d'informations envoyé par le système d'information à son environnement, c'est-à-dire à l'acteur externe. Alors, l'état correspond à l'état du système d'information. Par exemple, commande en attente, de traitement, livraison en attente, etc. L'opération, c'est l'ensemble d'actions exécutées à la survenance d'un ou de plusieurs événements. Alors, la synchronisation, c'est la condition préalable d'exécution d'une opération. L'opération ne doit être exécutée que si la condition est vérifiée. Alors, la règle d'émission, bien les règles d'émission. Donc, qu'est-ce que c'est? L'opération produit des résultats et ou des états. Donc, l'émission de ces résultats et ou états est soumise à des conditions traduites par des expressions logiques. Voilà, donc c'est un rappel. Donc pour revenir, si vous voulez, pour voir le détail des concepts de base du MCT, vous allez revenir à la vidéo 2, vous trouverez son lien dans la partie, j'ai dit, description. Maintenant, donc nous allons passer à l'énoncé, donc de l'exercice d'application. Alors voici l'énoncé de l'exercice. Donc, il s'agit d'une société spécialisée dans la vente du détail, du matériel Wi-Fi, vidéo, informatique, photographique et électroménager. Donc, le processus de vente. Alors, lorsqu'un client se présente au rayon, il est reçu par un vendeur. Donc, le vendeur doit consulter la disponibilité en stock et la fourchette du prix de l'article désiré. Donc, le vendeur négocie aussi le prix de vente avec le client dans la limite de la fourchette. Alors, si l'article est disponible et s'il y a un accord sur le prix, donc le vendeur émet une facture en double exemplaire, simultanément un ordre de déstockage est envoyé à l'entrepôt. Cette marchandise déstockée attendra le client au service d'enlèvement. Donc, si le stock est insuffisant, alors pour effectuer la vente, une demande de réapprovisionnement est adressée à l'entrepôt pour transmission à la centrale d'achat. Alors, s'il n'y a pas d'accord sur le prix entre le vendeur et le client, il n'y a pas de vente. Donc, le client, muni de la facture, doit se présenter à la caisse pour régler. Donc, après le règlement, le caissier appose un tampon sur la facture pour attester le règlement. Muni de sa facture acquittée, le client se présente au service enlèvement pour se faire remettre la marchandise en échange du double de la facture acquittée. Parfois, certains clients ne se présentent pas à la caisse. Alors, le soir, la marchandise déstockée et non remise au client doit être restockée. Alors, en fin du mois, la caisse opère un arrêté des ventes. Le montant du chiffre d'affaires
par vendeur est calculé puis transmis au service du personnel qui s'occupe de la paie. Le chiffre d'affaires est calculé uniquement sur les factures acquittées par le client. Donc ça, c'est un exercice standard qu'on trouve. Donc concernant le processus des ventes, donc le travail à faire, c'est d'élaborer le modèle conceptuel des traitements. Donc, la première étape consiste à identifier les acteurs. Donc, première question à poser est quels sont les acteurs externes? Alors, pour identifier les acteurs, donc nous allons relire l'énoncé et nous allons essayer de détecter les acteurs. Donc je reprends. Alors il s'agit donc j'ai dit une société spécialisée dans la vente du matériel détail de matériel IFI, vidéo, informatique, photographique et électroménager. Donc lorsqu'un client, donc voici un acteur client se présente au rayon, il est reçu par un vendeur. Voilà un autre acteur vendeur. Donc le vendeur doit consulter la disponibilité en stock et la fourchette de prix de l'article désiré. Donc le vendeur négocie aussi le prix de la vente avec le client dans la limite de la fourchette. Alors si l'article est disponible et s'il y a accord sur le prix, le vendeur émet une facture en double exemplaire. Alors, simultanément, un ordre de déstockage est envoyé à l'entrepôt. Voilà un autre acteur. Donc on a jusqu'à maintenant client, vendeur, entrepôt. Alors cette marchandise déstockée attendra le client au service enlèvement. Donc on peut dire ça c'est un tracteur enlèvement. Alors si le stock est insuffisant pour effectuer la vente, une demande de réapprovisionnement est adressée à l'entrepôt pour transmission à la centrale d'achat. Voilà un autre acteur, centrale d'achat. Donc s'il n'y a pas d'accord sur le prix entre le vendeur et le client, il n'y a pas de vente. Le client muni de la facture doit se représenter à la caisse pour régler. Donc j'ai dit, alors après règlement, le caissier. Voilà notre acteur, le caissier appose un tampon sur la facture pour attester le règlement. Donc, muni de sa facture acquittée, le client se présente au service enlèvement pour se faire remettre la marchandise en échange du double de la facture acquittée. Parfois, certains clients ne se présentent pas à la caisse. Donc, le soir, la marchandise déstockée et non remise au client doit être restockée. Donc, en fin de mois, la caisse opère arrêté des ventes. Le montant du chiffre d'affaires par vendeur est calculé puis transmis au service du personnel qui s'occupe de la paie. Donc un autre acteur, c'est service du personnel. Donc le chiffre d'affaires est calculé uniquement sur les factures acquittées par le client. Donc d'après l'énoncé, on peut dire que les acteurs qu'on a, c'est client, vendeur, entrepôt, service d'enlèvement, centrale d'achat, caissier, service personnel. Ça, c'est les acteurs qu'on a trouvés, détectés dans l'énoncé. Alors, nous avons dit que les acteurs à prendre en considération lors de l'élaboration du modèle conceptuel des traitements, c'est les acteurs externes du système d'information et non les acteurs interne. Donc ici, le seul acteur externe, c'est le client. Donc les autres acteurs, vendeurs, entrepôts, services d'enlèvement, centrales d'achat, caissiers, services personnels, sont des acteurs internes au processus du vente. Donc voilà. Alors ça, c'était la première question, c'est d'identifier les acteurs externes. Maintenant, la deuxième question qu'il faut poser, c'est quel est l'événement déclencheur du processus de vente? Donc, d'après l'énoncé, donc on a lorsqu'un client se présente rayon, il est reçu par vendeur. Donc ici, l'événement, c'est, on peut dire, c'est soit la demande de client, soit une demande d'achat. D'accord? Alors maintenant, nous allons passer pour voir le modèle conceptuel des traitements.
Alors, soit le modèle conceptuel des traitements. Donc, on a l'événement demande d'achat qui provient de l'acteur client. Donc, cet événement va déclencher l'opération vente ici, comme vous voyez. Alors, l'opération vente a les actions suivantes. Vérifier disponibilité, consulter fourchette, négocier prix de vente, émettre une facture, établir ordre de déstockage. Cette liste d'actions sont déclenchées à la survenance de l'événement demande d'achat du client. Donc ici, vous remarquez qu'on a trois règles d'émission. Produit indisponible et accord prix, produit indisponible et non accord sur le prix, et on a produit indisponible. Alors, dans le cas de la règle d'émission produit disponible et à accord prix, ça veut dire que le produit est disponible et le vendeur s'est mis d'accord avec le client sur le prix. Dans ce cas-là, on va émettre une facture qu'on va envoyer vers le client et dans notre système, on a la facture qui est en attente de paiement. D'accord? Alors, la deuxième règle d'émission, c'est produit indisponible ou non accord sur le prix, c'est-à-dire dans le cas où le produit est indisponible, ou bien le produit est disponible, mais le vendeur ne se met pas d'accord sur le prix avec le client. Dans ce cas-là, la demande d'achat est annulée, et comme vous remarquez, c'est que le résultat il est envoyé vers le client. Alors, dans la troisième règle d'émission, c'est produit indisponible. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? On va faire une demande de réapprovisionnement. C'est un état, donc demande de réapprovisionnement en attente. Alors, attention, il faut pas identifier les acteurs internes ici. Il faut pas mettre les opérations liées aux acteurs internes. D'accord? Nous avons dit que dans le modèle conceptuel des traitements, on s'intéresse qu'aux acteurs externes. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Donc, ici, vous remarquez que la deuxième opération, c'est règlement facture. Donc, lorsque le client nous donne le paiement, et vous voyez ici l'état facture en attente de paiement, ici, les deux événements vont déclencher l'opération règlement facture. C'est pour ça, vous voyez ici dans la synchronisation, ça s'appelle la synchronisation, il y a ici le et logique. Ça veut dire pour déclencher le règlement de la facture, il faut que le client nous donne le paiement, il faut que notre système a une facture qui est en attente. Dans ce cas-là, on va enregistrer le règlement, on va apposer un tampon sur la facture et on va remettre le produit. Alors ici, vous remarquez, il n'y a pas de condition. Dans tous les cas, lorsqu'on reçoit un paiement plus la facture en attente, dans tous les cas, on va remettre le produit ou bien la marchandise au client. Un. Et deux, on va donner au client une facture qui est cachetée. D'accord? Alors, ça c'est un. Alors, deuxième chose, c'est qu'on a une autre opération qui est le restockage. Alors, depuis une facture qui est en attente de paiement, et le soir ici, donc dans le soir, on va faire le restockage. Aussi, nous avons une règle d'émission ici. Alors, je vais changer ça. Plutôt, je vais mettre la règle d'émission. Alors ici, avec une facture en attente de paiement et le soir, ça veut dire que le client ne récupère pas sa marchandise. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un restockage. Il faut remettre le produit dans le stock. Dans ce cas-là, on a produit remis en stock. Alors, quelle est l'opération suivante ici? Alors, depuis les factures cachetées, ça c'est un. Et chaque fin du mois, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on calcule le chiffre d'affaires. Donc, comme vous remarquez, je dis pas le vendeur, je dis pas la caisse, je dis pas le service personnel, j'utilise en. D'accord? Alors, on calcule le chiffre d'affaires et on va éditer ce qu'on appelle un arrêté des ventes. Et dans tous les cas, et on n'a pas ici une condition, dans tous les cas, donc chaque fin du mois avec les factures acquittées, on va établir un arrêté des ventes par vendeur. Donc voilà en ce qui concerne le modèle conceptuel de traitement. Donc voici une image globale de ce modèle conceptuel des traitements. Donc voilà le modèle conceptuel, donc pour avoir une vue globale sur notre modèle conceptuel des traitements. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je le lirai, je répondrai. Merci encore une fois et je vous dis à très bientôt.